Je crois qu'on s'est planté, on a fait monter les ambianceurs là. Oui, c'est bon à dire, pardon. Qu'est-ce que. Ah non, c'est vous qui commentez le truc. Eh, décassez-vous, ça a commencé. Allez, allez, allez. À plus tard, bisous. Bisous. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette run de Spyro the Dragon, la version originale de 1998 qui était sortie sur PlayStation 1. Donc, le tout premier de la licence Spyro développée par Insomniac Games. Mon cher Ajuskero, c'est parti! Eh bien oui, on n'a pas le temps de niaiser, on y va direct. Hein. Donc, ce Spyro 1, cette catégorie NI%, qui est runné par Dayoman, est un petit peu l'expert incontestable du jeu, puisqu'il possède le world record dans cette catégorie, ainsi que dans la catégorie 120%, où il faut tout récolter. Et du coup, on va commencer par récolter différents éléments pour pouvoir progresser dans les niveaux. Puisque dans cette catégorie NI%, vous allez voir, on va récolter des gemmes, on va libérer des dragons, on va récupérer des œufs. Mais on va devoir en récupérer une certaine quantité entre chaque homeworld pour pouvoir passer sur le homeworld suivant. Et d'ailleurs, le premier prérequis pour passer du homeworld 1 au homeworld 2 est de récupérer les 10 dragons. Donc on va récupérer les 10 dragons les plus rapides. C'est ça. Pour faire un peu la présentation un peu de qu'est-ce que Spyro the Dragon, c'est un jeu donc de plateforme, vous le voyez bien, tout en 3D, donc du début de la PlayStation 1, donc où vous contrôlez Spyro, qui peut donc marcher, courir là avec les cornes tendues donc pour foncer sur les ennemis, sauter, planer, cracher des flammes, et voilà, tout l'intérêt du gameplay, donc c'est ça, donc de varier entre les moments où on va devoir foncer dans les ennemis pour les vaincre, et les moments où il faudra donc utiliser ces flammes. Et donc voilà, donc on va se balader donc sur les différents niveaux donc pour récupérer un certain nombre de gemmes, récupérer des dragons et aussi des œufs de dragon, puisque ce sera un des prérequis pour la suite des aventures. Donc là, on vient de faire le premier niveau, c'est le premier niveau donc qui vient déjà d'être terminé, puisque comme tu l'as dit, Azukero, donc là, comme il faut absolument 10 dragons pour continuer et que dans les premiers niveaux, dans le premier monde, il n'y a pas énormément de joyaux à récupérer, bah on va aller rusher directement pour aller récupérer donc les 10 dragons et passer au monde suivant. Ça, tout le sel de la run en fait va être vraiment au niveau de la collecte de gemmes. Donc au niveau des gemmes, hein, vous avez différentes gemmes de couleur. Donc vous avez les gemmes rouges qui valent 1 tout simplement, les gemmes vertes qui valent 2, les gemmes bleues qui valent 5, les gemmes jaunes qui valent 10 et les gemmes violettes qui valent 25. Donc on va essayer d'optimiser vraiment toute cette collecte de gemmes pour du coup récupérer potentiellement les gemmes qui sont les plus proches du chemin et également bah, celles qui valent le plus de points, donc les grosses gemmes de 10, de 25, etc. C'est ça, c'est celle qu'on va vouloir absolument avoir et on a très peu dans ces premiers mondes. Alors là, on est sur Clifton et vous allez voir que normalement on ne doit pas passer par là, mais du coup en France, pas vraiment non. Normalement il faut faire le tour. Parce que vous allez voir, la configuration des niveaux est assez. C'est de la spirale, hein, principalement, ou des U, mais des U avec bien serré. Et donc, du coup, bah là, on a le début du. Il est pas. Enfin, très souvent, on a le début du niveau et la fin du niveau qui sont vraiment côte-côte. Et donc, là, en faisant un saut et en fonçant donc, à la hauteur maximale de son saut, on peut atteindre ce genre de plateformes qui, normalement, ne sont pas censées, effectivement, être atterri ici. Et ça, on va utiliser une technique qui s'appelle le charge glide. En fait, le but, ça va être de profiter du momentum de saut de Spyro. Donc, en fait, en gros, vous chargez dans une zone où vous sautez, vous appuyez sur la touche de saut et ensuite vous appuyez en fait sur la touche de charge et juste après vous appuyez sur la touche de saut. Est-ce que tu veux expliquer ce qui vient de se passer là, s'il te plaît ? Voilà, c'est exactement en fait la technique qu'il a utilisée pour faire le setup suivant qui s'appelle du coup un wall glide. Donc là, c'est assez explicite le terme pour le coup. Ça va être vraiment de planer en fait avec la touche, enfin la touche je crois, et bien rester, on va dire à peu près parallèle au mur pour eh bien coller ce mur, garder son angle, garder sa hauteur en fait, voire même en gagner un petit peu. Là pour le coup c'était surtout de la garder sur ce mur là pour pouvoir eh bien voilà passer de l'autre côté et faire un petit shortcut sur cet homeworld qui nous permet d'accéder au 10e dragon qu'on avait besoin de récupérer pour et eh bien voilà, pour passer au homeworld suivant, puisque nous sommes déjà dans le homeworld numéro 2, donc Peacekeepers en anglais, qui est, sont le les pacifiques. Le monde des pacifiques, ouais. Le monde des pacifiques, c'est ça en français. Là, la condition, on va notre...
Voilà, le donc climat, la dragon, si on pour pouvoir passer au troisième monde, ça va être de récolter 1200 joyaux. Donc là, on va commencer à rentrer un peu dans les niveaux et aller le visiter un peu plus en détail, parce qu'il y aura un peu plus de joyaux. Il y en a en général, à peu près, suivant les mondes, on va dire 300, voire 400 pour certains. Donc c'est un peu plus rentable, en fait, d'aller un peu plus en profondeur dans ces niveaux pour aller en récupérer. Et donc, on va commencer par pour le premier, Dry Canyon. Pas grand chose à dire, encore une fois, on va vraiment foncer et récupérer voilà, nos premières gemmes de 10. À savoir que voilà, il y a des pour récupérer donc des gemmes, on a donc soit sur les ennemis, soit sur des caisses qui demandent soit d'être foncer dessus, soit tout simplement de pouvoir les flame. À savoir que lorsque vous foncez dans les ennemis, vous voyez la gemme arrive directement sur Spyro. Quand vous utilisez les flammes pour vaincre un ennemi, comme là ce gros qu'on a vu, la gemme tombe, mais elle tombe au ralenti. Donc on va essayer de faire une technique qui va être donc de flame l'ennemi et en même temps d'appuyer très vite sur le bouton de course pour charger afin qu'on n'ait pas cette animation où la gemme tombe très lentement afin de gagner du temps pour la récolte de gemmes. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que la récolte de gemmes, comment elle se fait, bah, c'est avec la petite libellule qui nous suit, qui s'appelle Spark. Alors que là, on a un petit fail. On a une petite erreur. Là, il a essayé de tenter un nouveau charge glide qui lui permet en fait d'accéder à une plateforme où se trouve le dernier dragon qui est proche en fait sur notre route. Et du coup là il est obligé de faire un petit peu le niveau normalement en faisant le tour voilà pour récupérer ce dragon. Ça fait perdre quelques secondes malheureusement, mais c'est un charge glide qui est vraiment qui est assez précis aussi. Faut bien le prendre, faut prendre la bonne hauteur. Mais voilà, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que là il était redescendu au début du niveau, donc il fallait qu'il refasse tout le chemin. Donc c'est beaucoup plus rapide évidemment de mourir, sachant que normalement il devrait pas tomber en game over, donc ça devrait être bon quoi. Cette petite libellule voilà, qui s'appelle Étincelle en français ou Spark en anglais. C'est vrai que dans la version originale, dans le 1, elle s'appelait Étincelle. Ils ont changé de nom à partir du 2. Ouais. C'est ça. Qui va donc nous. Qui est notre compteur de points de vie. Donc quand elle est dorée comme ça, c'est qu'elle est. On a tous nos points de vie. Quand elle devient bleue, c'est qu'on a perdu un point de vie, donc il nous en reste plus que 3. Puis verte, et puis après, elle disparaît. Donc si elle disparaît, bah, c'est. En fait, c'est Spark qui va récupérer les gemmes. Donc elle a un rayon d'action qui est assez sympa, mais. Dommage, il l'a pas. On expliquera juste après, vas-y, je te laisse terminer. Ouais. Et donc, du coup, bah, tout l'intérêt, c'est de la garder en vie, évidemment. Et donc, pour garder en vie, voilà, vous avez des petits familiers comme ça que vous pouvez vaincre qui donnent des papillons et qui lui permettent donc de la revigorer. Donc, voilà. Et vas-y, je t'explique ce qu'il a voulu tenter. Ce qu'a tenté Dayoman, en fait, c'est une technique qui s'appelle les proxys. Donc, c'est un grand classique hein, des speedruns de la trilogie originelle de Spyro. Donc, en fait, le principe, ça va être voilà, d'essayer de rentrer en collision en fait, avec la hitbox des ennemis. Et en fait, si vous tapez au bon moment, en fait, vous allez pouvoir, soit avec l'environnement comme là, c'était une sorte de ce qu'on appelle un squeeze proxy, donc le fait de se faire coincer entre un mur et un ennemi, ou des fois, ça peut être aussi en rebondissant sur le bon moment au niveau de l'ennemi, et bien vous allez, la hitbox de l'ennemi va rentrer en opposition par rapport à celle de Spyro, et vous allez être propulsé dans la direction inverse, mais avec une grande puissance, en fait, tout simplement, et du coup, vous allez décoller dans l'air. Donc ça nous permet ici de les choper deux gemmes. Je crois que c'est une 10 et une 2-5, si je dis pas de bêtises. Du coup, pas mal et qui sont intéressants. Tu peux expliquer ce que va tenter de faire Dayoman normalement? Ah non, il le fait pas, d'accord. Bon, il y avait un trick. Oui, il y a un petit cut ici que tu peux faire, oui, en remontant. On va pas prendre de risque. C'est pas très. Ça fait gagner que 4-5 secondes et en plus c'est assez stylé. Mais ouais, le setup est un peu plus complexe. Et là, vu qu'il a loupé déjà un ou deux setups, c'est un peu. Il préférait pas prendre de risque, qui est normal. Donc Dayoman, effectivement, donc le recordman du monde hein, qu'il a obtenu il y a pas si longtemps, en mars 2021. Enfin, qu'il a amélioré en mars 2021, ce qu'il avait récupéré déjà une première fois, en 37 minutes et 57 secondes. Le premier joueur à avoir atteint le sub 38 minutes. Donc, gros GG à lui, évidemment. C'est ça, le premier homme à avoir été basté sous la barre des 38 minutes dans le 10% grâce à une stratégie qu'il est le seul à être suffisamment taré, et je pèse mes mots, à faire en RTA. on aura l'occasion d'en reparler parce que, alors s'il a réussi du premier coup, c'est festival parce que c'est vraiment très difficile, mais c'est vraiment un trick qui est en toute fin de run. J'en dis pas plus, je vous tease pour la fin de run. Ce n'est pas du 100%, vous l'avez vu vous le voyez sur le layout, c'est du any%, donc le but c'est de terminer le jeu le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça qu'on a squeezé le monde 1 très rapidement et qu'on fait le monde 2. Et le RTA, c'est donc le real time, donc c'est-à-dire le vrai temps. Parce qu'il y a un système aussi de temps, on va dire, dans le jeu, mais qui squeeze pas mal de trucs. Parce que vous voyez, on a notamment ces temps de chargement déguisés, hein, où on voit notamment Spyro qui revient donc qui va dans les différents niveaux.
Mais voilà, dans le jeu, on compte vraiment avec le vrai chrono. Contrairement au remaster qui est compté hors des temps de chargement, l'original est compté avec les temps de chargement. Et oui, j'ai dit, voilà, c'est du jargon de... Je m'en excuse, c'est du jargon de runner, mais en gros, voilà, c'est pour dire ce truc-là, en fait, c'est le seul runner qui s'est décidé, moi, je vais le faire. On savait que c'était quelque chose qui était possible à faire, parce que c'était connu depuis des années en TAS, mais on se disait que c'était pas reproductible par un être humain, et en fait, si. Mm. Voilà. Carrément. Et donc là, on va rentrer aussi dans un autre configuration de niveau, qui sont les niveaux de vol. Parce que jusqu'à présent, on a vu des niveaux assez classiques. Et donc là, les niveaux de vol, c'est tout simplement des mini-épreuves. Vous en avez quatre. Donc là, on a des cerceaux. Après, on aura donc d'autres choses. Qui, lorsque vous arrivez à le faire avant la fin du temps imparti, si vous terminez donc les quatre épreuves, vous font gagner un total de 300 gemmes. Ce qui n'est pas ou 400 dans les flights... Fight suivant, mais du coup, ouais, bah, ça fait gagner énormément de gemmes. En fait, vous allez passer quoi, une à deux minutes, pas plus, hein, entre chaque niveau de vol, et vous allez gagner 300 ou 400 gemmes. Donc, c'est clairement un gros gain, sachant que. C'est tout le temps 300, 400 ? Je sais plus. Oui. Sur le premier ici, c'est 300, et après, j'ai plus. Ah ouais, c'est ça. Il me semblait que c'était 60 par épreuve, et si tu faisais le grand chelem, c'était 60 de plus. Donc, c'est pour ça. Ouais. J'étais resté sur ça. Et donc voilà, tout le gros travail, c'est évidemment de l'optimisation de déplacement, essayer de voir lequel routing est le plus rapide, évidemment, pour terminer, en sachant qu'on va essayer de terminer dans un endroit où on va s'arrêter net, c'est-à-dire là, par exemple, sur le phare, sur l'hitbox du phare, pour éviter que Spyro s'envole tout en haut et qu'on ait une animation qui dure des années. C'est ça, il y a une petite animation qui fait perdre 5 secondes, donc on essaye de la skipper en faisant que Spyro soit en collision avec un autre élément, ce qui permet de passer le menu, en fait, simplement. C'est ça. Et d'ailleurs, il avait. Donc là, on a vu. Tout à l'heure aussi, on a vu le niveau d'avant qui était le Dr. Shemp, qui est un niveau très court, parce qu'il n'avait pas besoin de faire grand chose, si ce n'est récupérer des dragons et quelques joyaux. Mais en fait, c'était le premier niveau dit de boss. Je mets des grosses guillemets, vous ne les voyez pas, mais je mets des guillemets. Parce que dans ce jeu-là, les boss, à part Nastinior qu'à la fin, c'est pas vraiment des boss, c'est juste des gros ennemis avec un peu plus de points de vie que les ennemis de base. Mais globalement, voilà, c'est pas non plus des épreuves, enfin des boss à proprement parler, quoi. Alors qu'ici, on arrive dans un niveau assez emblématique qui est Ice Caverns, et qui du coup, voilà, avec sa musique hein, très très mémorable, les musiques hein, qui ont été composées sur Spyro the Dragon par Stewart Copeland, qui était le batteur de The Police, pour la petite anecdote. Et puis on va continuer à récolter notre petite gemme. Alors ici, qu'est-ce qu'il est en train de montrer? Je ne sais pas. Ah, en plus, il fait le touriste, il fait le guide touristique. C'est ça, il fait du plaisir. Je vais dire, regardez le bureau. C'est vrai que le jeu a très très bien. Moi, je trouve rien. Le jeu a très très bien vieilli. Hein. C'est un jeu voilà avec des couleurs très vives. Et puis on arrive sur Spyro. Donc Spyro est sorti en 1998. Hein, donc on arrivait déjà à une époque. Dans l'ère de la 3D où voilà, on commençait à maîtriser un peu la 3D, c'est pas aussi bégayant que les tout premiers jeux de 3D qui sont sortis sur PlayStation 1. Là, il y avait déjà quelques années derrière et on voit le résultat. Hein, voilà, le jeu a très très bien vieilli. Oui, bien sûr. Ouais. Puis bon, après aussi, alors certains peut-être le trouvaient. Alors, on va voir ce passage, mais regardez-moi ça. Ça, ça a l'air de rien comme ça. Mais ça, à essayer, je vous invite à le faire parce que ça a l'air de rien, mais l'inertie qu'il faut avoir pour pouvoir bien mâcher comme il faut, c'est juste incroyable. Hein, parce que on dirait pas comme ça, mais c'est vrai que les déplacements de Spyro sont quand même assez carrés. Mais des fois, pour juste tourner et courir en même temps, bah c'est pas toujours évident. Et là, ce que les runners quand ils arrivent à faire ça. Notamment Diamond, ouais. Là, qui nous a montré, ouais, cet enchaînement d'escalier est vraiment technique. Et c'est vrai que la physique du 1 est un petit peu particulière par rapport à la physique du 2 et du 3 des originaux qui partagent la même physique. Là, on sentait voilà, que Insomniac débutait un petit peu. Ils ont un peu amélioré leur moteur par la suite. Et c'est vrai que voilà, t'as des virages quand tu tournes en chargeant, la caméra bouge un petit peu bizarrement, etc. Et la manière de sauter est un peu particulière également. Bah c'est un peu tout paradoxe avec les premiers jeux hein, d'une licence comme ça, c'est les tests pour voir un peu comment on peut utiliser les mécaniques, et puis le 2 c'est l'aboutissement en fait du travail qu'on a réalisé sur le 1, puis le 3 normalement devrait être meilleur, mais bon. Après, voilà. C'est discutable, on va dire. Voilà, après il y a des débats hein.
préfère. C'est ça. Alors, on est arrivé, pendant ce temps-là, on est arrivé donc au troisième monde, le monde des ouvriers magiques, où là, l'objectif pour passer au monde suivant est de récupérer donc 5 œufs de dragon. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il en a récupéré un, c'est auprès de ces voleurs là qui courent très vite. Donc, l'objectif, évidemment, c'est d'essayer d'analyser leur course afin de pouvoir les tendre une embuscade et de pouvoir les avoir. Bon, évidemment, si on arrive à bien gérer, ils n'ont pas le temps de partir. C'est ce qu'on a vu avec le deuxième là qu'on a vu. Et en fait, il y a une petite technique, c'est que si on appuie très vite sur Start, notamment, on skip la petite cinématique, la petite vidéo là où on voit l'œuf qui nous tourne autour, etc., qui prend quelques secondes. Évidemment, en speedrun, on n'a pas besoin de ça. Donc, on mâche et puis on se dépêche. Quoi. On est sur un speedrun, ouais, très timé. Ça aussi, là, ça c'est. Commence à arriver, on est à un niveau à cycle en fait, où tu vas avoir des magiciens qui vont abaisser, faire tomber, enfin, aplatir ou non des escaliers, faire tomber des portes ou pas. Et du coup, l'idée c'est d'avoir le bon cycle pour récolter les gemmes, tuer les ennemis, libérer les dragons et en même temps choper le bon cycle avant que le truc, la porte remonte. Alors ici, là, l'avantage, encore une fois, on a revu une nouvelle utilisation du Charge Glide qui a permis justement de skipper le fait que la porte était remontée au maximum. Donc, comme ça, on n'a pas trop besoin de se soucier de ce sorcier-là. Ouais, parce que sinon, en fait, si vous tombez, en fait, c'est la mort hein, qui vous attend en bas. Donc, il faut évidemment faire attention. Parce que là, en fait, les débuts des niveaux, bah, vu que c'est un jeu quand même qui est orienté très grand public, hein, vraiment un des premiers jeux de plateforme, on va dire, pour tout le monde sur la PlayStation. Le début, c'était un peu un premier monde dit de tutoriel, et puis bah, au fur et à mesure, on vous met un peu plus de difficultés. Et là, vraiment, là, c'est le niveau. C'est, à partir de ce monde-là, c'est là où on commence un peu les enfers. Vous avez un peu plus de vide, etc. Donc il faut évidemment faire attention. Il faut bien maîtriser ses sauts, il faut bien maîtriser voilà, tout cela. D'ailleurs, il faut regarder devant toi, Il y avait cru, hein. Il y avait cru, et oui. Parce que des fois, bah, les développeurs sont des êtres humains, hein, comme tous, et des fois, ils font des petits oublis, comme oublier de mettre une texture physique à un mur, et donc, du coup, eh bien, il suffit juste de passer au travers, en fait, là, vous vous trouvez avec un petit circuit, avec un voleur, justement, qu'il faut courser, et en fait, bah, vous vous retrouvez devant le voleur, et le voleur, il est programmé pour partir dans une direction, donc, en fait, il fonce vers vous, et vous n'avez plus qu'à l'enflammer, et puis, c'est réglé. Et là, on va voir, d'ailleurs, une autre... le quatrième voleur qu'on a chopé très rapidement, et en fait, donc il utilise une technique que tu as évoquée très rapidement au début qui s'appelle le Flame Charge. Donc en fait, le principe, ça va être justement, donc, comme on disait, de vous charger avec Spyro, vous appuyez donc sur la touche rond pour enflammer et vous reprenez votre charge tout de suite après. Et en fait, quand l'animation de charge ça n'interrompt pas la flamme, et donc vous allez avoir en fait votre flamme qui continue à avancer au même moment que votre. Spyro tout simplement se met à avancer, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il flamme un peu avec les cornes, et ça permet d'optimiser à mort les mouvements. Et ce qui fait vraiment tout le charme en fait de ce speedrun, c'est la fluidité des mouvements, parce qu'on va vraiment charger 95% du temps, voire même 99%, et voilà, on va juste relâcher la touche de charge pour pouvoir enchaîner ses flame charge, pour enchaîner pour des sauts, etc. Et un autre attrait en fait, c'est que quand vous faites des flame charge par exemple sur des coffres, et ben en fait vous avez les gemmes des coffres, au lieu de, si vous enflammez un coffre en fait normalement, et là vous avez la gemme qui pop qui sort du coffre par le haut et vous devez la ramasser un peu manuellement, ça prend un peu de temps, ben là en fait la gemme automatiquement elle va atterrir vers vous, et alors que là on voit un enchaînement très difficile une technique qui s'appelle la supercharge et qui va nous permettre d'essayer. Donc là, il essaye de nettoyer le plus d'ennemis possible dans cette zone pour faire un max de gêne, et c'est passé nickel. Alors t'as attention, le deuxième passage là, qui est très complexe avec la petite marche ici, ça passe. Ce qui est trop bien, c'est qu'il a utilisé un petit peu l'angle que donnent les structures de la caverne pour se donner une petite impulsion vers le haut. C'était méga stylé. Et comme tu disais, donc la flame charge qui va lui permettre effectivement de récupérer les gemmes beaucoup plus vite, ce qui est évidemment plus rentable. Et on va le voir notamment sur un ennemi aussi. Qui normalement on devrait pas l'avoir tout de suite dès le début du niveau, ça va être le niveau d'après, et après il va l'attraper au vol, il va le flame au vol. Là l'enchaînement avec donc la supercharge hein, qui est, donc quand vous avez des grandes rampes avec des flèches qui descendent, en fait Spyro a un pouvoir où il se met à charger super vite, c'est quelque chose qui est très difficile à contrôler, et normalement vous deviez pas tour avec la charge, parce qu'on sert vraiment de la physique pour faire des virages qui sont pas prévus de faire. On a vu que c'était un peu aidé avec les murs, et surtout ce qui était très compliqué au niveau du niveau précédent, c'est qu'il a réussi à vraiment timer son saut pile au bon moment pour pas bonquer sur un mur ou sur une marche, parce que c'est typiquement ce qui arrive tout le temps dans ce bureau.
Et hop là, tu reviens par là, mon petit. Là, il a réussi un très beau flame charge jump, donc c'est ce que t'expliquais, hein, juste avant. Donc, on reprend le mécanique du flame charge, sauf que après que vous avez enflammé, vous avez repris votre charge, vous appuyez également sur la touche de saut, ce qui fait que les flammes, vous le voyez dans l'animation de Spyro, en fait, elles remontent un petit peu, et on a pu choper ce magicien avant qu'il se mette sur sa petite plateforme en haut, et normalement, il faut faire tout un tour pour aller le choper et récupérer sa gemme, ce qui évidemment fait perdre énormément de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que on vous donne au fur et à mesure donc les objectifs qu'il faut faire. Alors que là, cette supercharge là, s'il y arrive, c'est du bonbon. Hein. Regardez-moi ça. Là, c'est prise de risque maximale. S'il se loupe, il meurt. Hein. S'il tombe dans le vide, c'est la fin. Mais regardez-moi cette optimisation. C'est trop stylé. Bravo, Dioman. C'est voilà. Du bonbon. GG à lui. C'est nickel. À noter ici qu'il y a ce qu'on appelle la Wally Strat. En fait, il a bien collé le mur avec la charge. Ma merde, il est tombé. C'est fait exprès. Spoiler, c'était fait exprès. Oui, on death abuse ici, juste ici pour pouvoir bien repartir en haut de la supercharge et pouvoir continuer dans le niveau. Et je disais, oui, en fait, il y avait. Donc, on a vu qu'il y avait un petit voleur donc qui l'a enflammé pour avoir son cinquième œuf. Et en fait, il y a également des gemmes à ce niveau-là. Et en fait, il les a récupérées avant en collant le mur avec la supercharge. Les gemmes, spécifiquement à cet endroit, en fait, traversent le mur et vous les récupérez. Oh oui, les trois d'un coup. Voilà, les trois spring chests, c'est très beau. Non, parce qu'en plus, le timing, il est très serré sur ces caisses-là. Et tant mieux, d'ailleurs, s'ils les ont enlevées par la suite, parce que c'est vraiment les pires caisses de l'univers. Je ne veux rien savoir. Parce que, vous voyez, elles sautent, et vous avez un timing assez serré. Vous n'avez pas le droit de vous décaler ou quoi que ce soit, parce que la hitbox, elle est très petite. Et donc, ouais, c'est un peu relou, quoi. Et donc là, il a réussi à le faire. Bah, voilà. Ce niveau-là, vraiment, quand vous arrivez à le maîtriser, c'est juste exceptionnel. Il y a Richelieu dans le chat qui dit « C'est moi, je regarde que 50% du temps son écran. » Alors oui, alors Dioman est un runner, voilà, il est très actif, il stream beaucoup. Là, vous pouvez voir, en fait, il est en train de commenter en même temps qu'il fait sa run, donc il est en mode full solo. Et c'est un mec voilà, qui est suffisamment taré aussi pour s'amuser à faire du speedrun N1% de Spyro, ou du... Ouais, c'est ça, du N1% au pad de Denzen's Revolution, pardon. Donc voilà, c'est vous dire un petit peu le niveau de maîtrise du gars. C'est que voilà, bon, les manettes c'est surfait. Moi je préfère utiliser des pattes de danse, c'est plus rigolo. C'est ça. Alors qu'on est de nouveau sur un niveau de vol. Donc bon, pas grand chose à dire, vous connaissez maintenant les strats. Hein. Là, si ce n'est qu'on avait des avions à aller de côté. Et on a vu la manière dont il l'a fait. C'est-à-dire que normalement, le routing qu'il utilise, là, c'est pas du tout le routing qui est programmé par le niveau. Donc on devait d'abord commencer par les arches, là, comme ça. Et on termine par les avions. Et là, en fait, lui, il a décidé de commencer par les avions parce que c'est plus rapide, parce qu'ils sont sur le chemin. Par contre, voilà, vous n'avez pas le droit de vous louper parce que sinon, bah, vous êtes obligé d'attendre qu'il refasse le tour et d'aller les chercher au prochain cycle. Donc là, superbe, encore une fois, un niveau qui a été fait en moins d'une minute et on a récupéré 300 gemmes. On essaie de bien atterrir au niveau de l'arche, en fait, pour pouvoir toucher le mur qui est juste à côté. Et donc, encore une fois, refaire ce petit skip d'animation. On a la fin. Mais et d'ailleurs, il a réussi un autre skip, là. Là, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé, là, Zucchero, là, c'est pas normal, il y avait un dragon, oui, il l'a pas utilisé, là. Il y avait un dragon, justement. Il y a mensonge, en fait, là, remboursé. Et en fait, il a fait ce qu'on appelle le Boldar Skip, alors Boldar, parce que c'est le nom du dragon. En fait, quand il est rentré dans le niveau par derrière, juste avant de rentrer dans le niveau, il a chargé, en fait, suffisamment pour que le Spyro, en fait, touche le dragon avant qu'il soit téléporté et que le chargement du niveau se lance. Ce qui fait que du coup, bah, il a libéré le dragon et ça a skippé l'animation de libération puisque quand il est ressorti du niveau, bah, le jeu a compté qu'il l'avait déjà débloqué. Bravo, bel habit en tout cas. Et donc, la deuxième niveau de boss, on va dire, avec cet ennemi qui vous flame trois fois. Et en fait, là, on va pas avoir le choix de le vaincre. Pourquoi ? Parce qu'il nous donne beaucoup, beaucoup de joyaux quand on va le tuer. D'autant plus que là, voilà, vous voyez, toute la route, il y a énormément de joyaux. Je crois qu'il en récupère quelque chose comme 300, 350 à la fin. Donc, bon, ouais, c'est un pas trop fort. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au final, la finalité, t'as vu comment on le dit, ça ? C'est génial, garde-le. Ouais, c'est bon. Au final, la finalité, c'est que dans Spyro, pour pouvoir atteindre le dernier monde qui est le monde de Nasty, il faut obtenir donc les 5 œufs de dragon, parce que c'est le seul truc qu'il faut, c'est ça, au moins 50 dragons et 6000 joyaux. Donc c'est pour ça que vous le voyez continuer à récupérer des joyaux, continuer à récupérer des dragons, parce que bah, effectivement, au fur et à mesure, on va lui demander cette chose-là, et on va pas avoir le choix, en fait. Donc c'est pour ça qu'il essaye d'optimiser à fond. Ouais, on posait la question dans le chat. Oui, en fait, l'accès au dernier niveau, au dernier homeworld, le monde de Nasty, en fait, requiert d'avoir 6000 gemmes. Donc en fait, vraiment, toute la route de la run va être faite sur « je veux récupérer au plus vite les 50 dragons, et quelles sont les gemmes les plus proches de la route pour récupérer les plus vite les 50 dragons sont plus intéressantes à prendre ?»
Donc c'est, oui, parce qu'il y a 10 000 joyaux au total dans le jeu, si on compte pas les 2 000 de la cave de Niasty qui est le niveau bonus à la fin. Et il y a 70 ou 80 dragons, je sais plus. 80 dragons. Il y a 80 dragons, c'est ça. Et donc forcément, vous voyez, on est à peu près assez large, mais il faut voilà bien optimiser la route pour que, éviter de faire le moins de détours possible et évidemment tout faire d'un seul trait. Alors là, petit skip, voilà, parce que normalement ces caisses-là, il faut d'abord les enflammer, attendre un peu qu'elles pètent ou alors leur foncer dessus, mais ça nous fait un dégât. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement pris un dégât en tombant dans le marais, et pendant qu'il était avec les frames d'invincibilité, il a pu en profiter pour foncer dessus. Donc là, on est sur le quatrième monde, donc le monde des créateurs d'animaux. Commencer le niveau des grosses embrouilles. Hein. On va voir que les deux prochains niveaux, ça va être un peu les enfers. On a vu qu'il a skippé un niveau également qui s'appelle Terrace Village, donc village terrasse, qu'on ne verra pas dans cet N.I%, puisque simplement c'est trop long. On préfère récolter des gemmes ailleurs. Alors, quand vous démarrez cette catégorie-là en N.I% occasion, on conseille quand même plutôt de faire le niveau, parce qu'il y a quand même pas mal de gemmes à récupérer. Mais à son niveau, voilà, on préfère le skipper, puisque bah, grâce à des techniques comme la supercharge dans tous les sens qu'on a vu tout à l'heure, on compense ailleurs en fait. Alors, vous allez voir notamment sur un des prochains niveaux là, une maîtrise de la supercharge, et ça va faire même de la supercharge qui va nous permettre d'atteindre des endroits assez stylés. Alors, ce qu'il va réussir ici avec le bon cycle, c'est plutôt bien parti, il a bien géré son demi-tour. Hein. Ouais, ça se passe tranquille, Active a chopé l'avion, non, il l'aura au retour. Non, il l'avait pas sur son record du monde, c'est vrai que ça c'est un peu complexe de l'avoir celui-là, mais ouais. Voilà, globalement nickel. Parfait, comme il voulait le faire, donc c'est plutôt stylé. Et donc ouais, là l'objectif pour aller au prochain monde, donc c'est 50 dragons, donc on était à 41, vous voyez, donc ça progresse plutôt pas mal. Hein. On était à 3500 avant le début de ce monde, donc on approche des 4000, donc globalement le routing il est aux petits oignons, voilà, c'est ça. La communauté speedrun de Spyro, enfin surtout sur les originaux, ça fait 15 ans qu'il y a des gens qui dosent le jeu, donc autant vous dire que on a eu le temps hein, de réfléchir à quels sont les optis, etc., de gemmes. Et puis voilà, et là on arrive au niveau suivant, un niveau infâme qui est très connu des gens qui ont joué au jeu, alias Misty Dog. À cause de ça là, regardez-moi ces espèces de monstres là, c'est parce que eux on dirait pas comme ça, mais s'ils vous attrapent ils vous bouffent et c'est. Et les pires grenouilles. Les grenouilles sont des grenouilles qui vous donnent des coups de langue, mais les coups de langue, enfin elles donnent des coups de langue à la vitesse de la lumière. Hein. C'est déjà. Et elle t'attrape de tellement loin, c'est-à-dire que t'as pas le droit de ralentir, t'as pas le droit de cligner des yeux, parce que sinon tu t'es fait fouetter. Et elles s'en foutent hein, que vous les regardez ou pas. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans ces jeux-là, on ne maîtrisait pas encore trop le fait que les IA te tapent pas si tu les regardes pas avec les angles de caméra. Donc, autant te dire que tu as intérêt à bien les regarder droit dans les yeux à chaque fois. Sinon, D'autant plus qu'on n'a pas énormément beaucoup de frames d'invincibilité. Donc, c'est-à-dire qu'on peut très vite se faire enchaîner. Donc, il y a un passage là qui s'appelle le Guantanamo d'ailleurs. Qu'on verra après. C'est le surnom que donnent les runners dans la communauté à ce passage où les devs ont un petit peu loupé. Ils ont mis un petit peu trop d'ennemis dans une petite salle réduite. Ah non, mais je te jure. C'est-à-dire que vous allez le voir, il va le faire vraiment à fond. Mais. Imaginez-vous, vous avez 8 ans, c'est un de vos premiers jeux de la PlayStation, et vous arrivez devant ce truc-là. Là. Le nombre de morts que vous avez eu, c'est... Ça réveille des PTSD chez beaucoup de personnes, je pense. Ah ouais, non, mais totalement. Ouais. Totalement, je suis bien content maintenant de... Vous pourrez faire vos paris, combien de hits il va prendre dans cette salle. S'il en prend 0, ça va être monstrueux, et s'il en prend 1, ce sera très bien aussi. Ce qu'on veut éviter, c'est d'être sans Sparks. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Sparks, qui représente également les points de vie. Hein. Donc vous avez 4 points de vie au total. J'en ai parlé. Ah, tu en as parlé? Ah bah, tu m'écoutes plus, Azukero, c'est terminé. Oui, mais je suis omnubilé par ce qu'on est en train de voir à l'écran et dans le style. C'est alors vrai, ici, est-ce qu'il va tenter le petit skip sur le rebond? Oui, alors ici, il y a un tout petit pixel sur lequel tu peux... Un tout petit polygone, pardon, sur lequel tu peux rebondir. Et il a réussi. C'est pareil, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment une petite optique qui fait gagner une demi-seconde. C'est beaucoup de swag pour beaucoup de risques. Ça va être là. Déjà, les trois grenouilles. Oh, il a réussi à dodge la langue, le premier coup de langue, on l'a vu partir. Regardez-moi ça. Oh, il va tous les avoir, il s'est pas fait avoir. Incroyable. Allez, en plus, les grenouilles étaient vraiment bien alignées pour le coup. Il a pu quasiment choper les trois là sur la fin.
Et c'est pour ça qu'on le voit très souvent sauter pour changer de direction. C'est comme tu disais, en fait, c'est que bah, quand vous êtes en pleine charge, tourner, c'est pas possible. Vous êtes un tractopelle, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour ça, pour remédier à cela? Pour garder le momentum et garder un peu sa vitesse, il saute et il recharge derrière dans l'autre direction. Et c'est vraiment le moyen le plus opti pour pouvoir vraiment se déplacer aussi vite comme là et de montrer voilà, que Spyro... on a l'impression, encore une fois, que bah, c'est un peu comme Sonic, il peut se déplacer comme ça à la vitesse de la lumière sans problème. Alors qu'en fait, c'est pas si grave. Spyro se déplace très bien vers l'avant, mais dès que vous devez faire des demi-tours, surtout dans l'original, dans le remaster, ils ont vraiment bien corrigé ça pour le coup, c'est très agréable. Mais dans l'original, ouais, faire des demi-tours, vous êtes obligé de sauter, de tourner en tournant également la caméra pour aller plus vite, c'est très lourd en fait. On a l'impression qu'il est un peu badaud, Spyro. Tritops, prochain niveau, un niveau aussi qui a pas mal de PTSD. Comme il va tenter le lourd à l'ombre ici. Oh oui, c'est pas incroyable. Donc ici, en fait, il va se servir du... Donc c'est un trick qui est très récent, pour le coup, ça a été découvert il y a... Je pense que c'est l'année dernière. Vous allez en fait charger le petit coin en fait où vous avez la différence là de hauteur entre le début de la supercharge et le reste de la plateforme, et en fait du coup vous allez profiter du momentum de Spyro au moment où il saute et de la charge pour gagner encore plus de hauteur, et ça fait ce sort de petit glitch où voilà vous décollez un petit peu en l'air. Normalement vous êtes obligé de faire de la super charge pour pouvoir accéder à cet endroit là. Ouais. Donc c'est imaginez-vous bien que c'était hyper galère à l'époque, et là il y arrive comme ça juste en utilisant un bonk. On vient d'avoir un raid de Zerator. Merci Zerator pour le raid. Merci pour le raid et bienvenue aux raiders en tout cas. Bon, regardez Spyro pour la SGDQ Summer Game Jam Quick 2021, installez-vous bien. Vous êtes en train de vivre une magnifique run de Spyro, le premier sur PlayStation. Et donc, déjà 30 minutes hein, sur les 45 d'Estimate. On a dit, son record du monde est à 37 minutes. Alors, attention, on a mis un passage très très délicat aussi de Tritops. Est-ce qu'il va réussir à choper le charge jump ici? Oui, oh, oui. Passe, nickel. Et il va pouvoir nettoyer toute la hauteur de cette zone tranquillement. Voilà. Donc là, il faut vraiment. Voilà. Charger pile sur le bon angle en fait qui va vous faire, parce que ce petit polygone ne dirait pas PayPal 1000, mais en fait il y a que genre la moitié en fait où vous pouvez charger et continuer votre charge et décoller en l'air, l'autre moitié vous allez bonker, c'est à dire que Spyro va juste taper dans le mur et la supercharge va s'arrêter, et donc là il faut repartir, remonter et refaire tout le tour, ce qui est une grosse perte de temps. On a vu le bonk là, d'ailleurs, pour aller accéder. Voilà, il y a un exemple typique de bonk, ouais. Au niveau de Metal Head, donc encore un niveau de boss où on va donc aller jusqu'au bout, hein, évidemment. Il y a un dragon à aller récupérer, donc on va pas avoir le choix, plus quelques niveaux. Là, on voit ces ennemis qui se font... Le petit squeeze, oh, oui. Ça aussi, une nouveauté de la run aussi, ça a été très récent. Donc qui s'appelle... celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon, bref, c'est un squeeze qui nous permet, voilà, ça fait gagner, là pour le coup, ça fait gagner 5 secondes, parce qu'avant, on faisait un petit détour, mais vraiment de pas grand-chose. Mais c'est très visuel, c'est très rigolo à regarder. Et ça fait partie des améliorations qui ont été trouvées via une autre catégorie qui a pris beaucoup, beaucoup d'intérêt ces derniers mois, qui s'appelle le Vortex, qui est en fait une catégorie où vous, en gros, pour la faire simple, vous rentrez un cheat code pour ne plus avoir le problème des prérequis pour chaque niveau, et le but ça va être d'aller d'un point du début du niveau au Vortex, donc c'est-à-dire le portail en fait pour quitter le niveau normalement le plus rapidement possible. C'est une catégorie qui se termine en 20 minutes, et en fait elle est très optimisée dans le sens où il y a plein de tricks très 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 difficiles qu'on voit pas dans les 10% qui sont présents dans cette catégorie, donc peut-être qu'un jour on l'aura en Games on Quick, hein, qui sait, mais voilà. Ouais. Donc là, le principe de ce boss, il faut foncer. En fait, on peut pas le taper puisque c'est un géant, c'est un robot de métal. Donc forcément, le métal est immunisé aux flammes. Mais par contre, on a ces barrières, là, ces poteaux électriques qu'il suffit de casser pour le rendre hors d'état de nuire. Et on l'a vu tout à l'heure récupérer une clé. J'ai vu une question dans le chat pour les passer. Vous voyez, ces clés-là vont servir à ouvrir ces coffres-là qui ne peuvent être ouverts qu'uniquement avec la clé en question. Ou une supercharge, effectivement, mais là, comme on n'en avait pas, forcément, on est obligé de faire de manière conventionnelle. Donc là, Metal Head est vaincu, et donc il va nous donner plein de joyaux, et voilà, richesse, tout ce que vous voulez. Voilà, on est vraiment là dans les fins de niveau, donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de gemmes très intéressantes à récupérer. Voilà, on arrive dans les niveaux où il y a entre 400 et 500 gemmes, hein, principalement. C'est assez rare d'avoir des niveaux où il y en a moins. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi... Là, on arrive dans ces moments-là où il faut vraiment bien explorer, aller chercher les bonnes gemmes. Et voilà, on est à 5123, donc proche des 6000. Ce qui est très large. Ce qui est très large, ouais. Parce que là, il reste encore un monde à faire,
Quel monde des tisseurs de rêve. Alors même si on va pas faire beaucoup de niveaux sur ce monde-là, parce qu'on a deux prérequis sur trois. Donc les dragons, c'est fait, on en a 50. On a les œufs, donc depuis le début. Il nous manque plus que les 6000 joyaux. Juste ici, dommage. Voilà, ces petits gnorques qui électrisent des surfaces. Et donc pareil, pour skipper l'animation, on voit la clé qui tournoie et puis qui va direct doucement vers la serrure. On appuie sur Start et c'est bon, on est reparti. Et donc voilà, l'avant-dernier monde officiel, enfin le vrai dernier monde si on compte pas le monde de Niasty, parce que le monde de Niasty c'est plus on va dire le monde avec le boss final, mais on va dire le monde 5, le monde des tisseurs de rêve, où on va techniquement faire deux niveaux, un niveau de vol et puis le niveau de boss, et on en aura fini avec tous les prérequis. Parce que bah, forcément c'est les derniers niveaux du jeu, donc on commence à atteindre des niveaux qui sont assez difficiles avec des ennemis bien retors. Qui cause bien des soucis dans le 120%, hein, du coup, puisque là, faut collecter tous les gemmes, tous les dragons, donc pas le choix, on fait tous les niveaux. Mais ici, on permet d'éviter. Ici, petit skip également, où normalement, voilà, vous avez des ennemis en fait qui se transforment, enfin qui grandissent et qui rapetissent via un canon magique qui est au milieu de la carte. Et en fait, normalement, comme les deux sont grands, vous ne pouvez pas traverser. Sauf que, eh bien, encore une fois, en faisant un saut avec la bonne hauteur, on arrive à se faufiler entre les deux. Canon qu'on peut utiliser évidemment pour réduire ses ennemis plus petits que bah sinon en fait on peut normalement en temps normal on peut pas accéder à cette zone. Oui, il vous donne une claque, il vous donne une claque et vous êtes reparti. Et donc le dernier niveau de vol pareil, toujours pareil, vous connaissez la rengaine maintenant. Mais donc c'est celui-là qui en aurait potentiellement 400. Oui. Je pense. J'ai vraiment un doute. Hein. Je sais jamais sur les niveaux. Il me semble, moi, il me semblait que c'était toujours les mêmes. Hein. C'était toujours 300. Hein. Mais peut-être que je me trompe. J'ai plus les souvenirs exacts de ça. Mais voilà, ce niveau avec, c'est pareil. C'est cyclique puisque on a ces petites locomotives avec les tonneaux qu'il faut vaincre, plus les ennemis avec leurs petites hélices là pour décoller, qui montent et qui descendent. Donc là, normalement, on voit très bien comment il optimise hein, vraiment au pixel près les ennemis en les touchant vraiment du bout des flammes pour et là vous voyez il laisse volontairement donc la dernière locomotive passer parce qu'il veut essayer de l'attraper donc juste en dessous pour pouvoir se faire se faire calmer au niveau de l'arche et comme ça il a pas l'animation où il monte tout en haut comme on vous l'a expliqué tout à l'heure et ça va lui permettre de finir le niveau tout de suite. GG 5614, voilà, seulement 386 à les récupérer dans le niveau de Jack, c'est largement faisable. Et oui, le dernier boss qui s'appelle Jacques. Jacques, en français, Jacques. Dans les textes. C'est... Et puis là, on joue sur la version originale. Hein, donc, le nom de base, c'est Jacques. Il n'y a pas de souci. Et donc, pareil, un niveau où il va y avoir énormément de tricks comme ça. Un niveau très technique, hein, y a beaucoup d'ennemis, c'est très compliqué à optimiser puisque les ennemis, pareil, vous touchent, sont assez vifs et vous touchent d'assez loin. Il y a pas mal de platforming, voilà, on voit par exemple ces ennemis qui sont sur des toutes petites plateformes, qui sont très, très agaçants d'aller chercher rapidement. Là ici on va voir qu'il va optimiser, normalement on est censé choper les deux, comment ça s'appelle, les deux bouffons, lutins. Ah dommage, il est allé un peu vite, il est sauté du coup. Il va la safeiser, il va juste... Ils sont invincibles, on peut pas les tuer. Par contre, quand on les flamme, quand on leur fonce dessus, ils se bloquent et en fait, ils ont un minuteur, ce qui fait que ça permet d'avoir des plateformes. Aïe. C'est terrible. Et là, on voit vraiment encore une fois l'utilisation du Charge Glide qui va nous permettre de choper des petits pixels supplémentaires qui nous permettent d'accéder à cette plateforme. Normalement, encore une fois, il est censé enflammer les deux lutins pour déployer le sorte de plateforme gâteau, c'est un peu une forme de gâteau. D'un coup, mais là voilà, il est là pour le bouger, là c'est bon, ça passe, nickel, bravo. Vous allez voir, on va encore voir ce genre de dinguerie un petit peu plus tard. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment compliqué, ça fait partie des points, voilà. Ça paye pas de mine comme ça, on se dit, oh bah ça va, il a perdu beaucoup de temps. Oui, mais alors, dans une catégorie, on est de l'opti à la seconde, donc autant vous dire que ça rigole zéro quoi. Là à côté, les boss de Dark Souls, c'est trop facile. Hein. Ce boss-là, il est incroyablement dur. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Voilà, c'est terminé. C'était quelque chose qui avait été un petit peu critiqué à sa sortie. Jeu, c'était que voilà, il y avait des niveaux de boss ou des boss qui n'étaient pas vraiment très, c'était un peu inintéressant. Ah, comme j'avais entendu corrigé, du coup hein, dans les opus suivants, puisqu'après on a droit à des vrais boss entre chaque homeworld. Mais comme j'avais entendu une fois, il y a très longtemps, les boss, c'est pas des boss, c'est des dodans, voilà. C'est un peu ça, ouais. Et là, ça. Du coup, il a 6009 gemmes, donc c'est bon, le compte est bon. C'est plutôt pas mal. Une bonne run d'Eni Pourcent, c'est entre 6000 et 6010 gemmes. Voilà, c'est pour vous dire, hein, des fois, on arrive à la gemme près.
pour passer le niveau. Donc, est-ce que tu crois qu'il va utiliser les 9 gemmes de trop pour faire un don pour Médecins sans frontières, tu penses? Ça serait bien. Alors, ouais, il va faire une trick qui s'appelle le rat de proxy. Donc, c'est la nouveauté. Le trick qui était considéré comme infaisable par un être humain. Donc, c'est un trick qui existe depuis 2014, qui a été trouvé par un certain Pouvol. Si vous connaissez un peu ce personnage, qui est quelqu'un qui a découvert énormément de glitches dans plein de jeux. Et en fait, ici, ça va être le même principe que le Mama Proxy juste avant. On va essayer, en fait, de se squeeze entre le rat et le coin. Et c'est pas passé pas grand-chose. C'est vraiment très, très, très difficile. Et le but, ça va être d'arriver sur le haut de l'arche où il y a le niveau suivant. Oui, il a game over. Il était déjà tombé. Mais c'est pas grave. Ouais. T'arrives juste à ce niveau-là, donc il n'y a pas de souci. On va essayer d'arriver sur le haut de l'arche. Et en fait, ça va pouvoir nous permettre ensuite de sauter sur les têtes de dragon et arriver sur le dernier niveau. Ah, dommage. Et donc, en fait, ce qu'a dit Dayo, c'est que donc il a 45 minutes d'estimate. Il va essayer de faire des tentatives jusqu'à 43 minutes, je pense, parce qu'après, il va être overestimate. Et du coup, bah, voilà, ça va être. Oui, alors il va répéter pourquoi, ça pendant 2-3 minutes. Pourquoi il est obligé de faire? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se prend la tête à faire ça? C'est parce que tout simplement, s'il ne le fait pas, il est obligé de faire deux niveaux obligatoires. Niveau, c'est-à-dire le Nasty Curve que vous voyez, plus le niveau avec la tête de dragon à droite de votre écran. Oh, donc, c'est dommage. Dommage. Et donc du coup, l'objectif, c'est d'utiliser le rat proxy pour pouvoir monter juste au-dessus de la petite alcove là qui normalement te sert à aller au niveau, pour pouvoir passer après sur la tête des dragons et de pouvoir clipper à travers donc la texture, parce que bah forcément les têtes de dragons, techniquement vous n'êtes pas censé traverser, puisque enfin vous n'êtes pas censé vous retrouver au-dessus de leur tête, parce que le jeu est fait pour que vous ne puissiez pas le faire en fait. Donc, bah, y a des textures qui n'existent pas réellement, qui sont visuelles, mais qui n'ont pas de propriété physique. Envoyez toute votre énergie à Dayoman dans le chat, parce que là, il en a besoin. C'est vraiment très, très difficile. Parce que vraiment, là, voilà, les proxys, c'est quelque chose qu'on connaît dans les Spyro originaux depuis un moment. Mais celui-là, ce qui est vraiment particularité, c'est vraiment les mouvements du petit rat juste ici, en fait, qui sont un petit peu random. Ouais. Et du coup, la fenêtre de tir pour le moment où le charger et qui se cale bien pour que Spyro puisse ensuite se faire coincer entre le petit rat et le mur est vraiment très, très précis. Donc voilà, c'est quelque chose de très compliqué. Le rat est complètement irrangé dans ses déplacements. Allez, peut-être là, pourquoi pas. Ah, dommage, trop tôt. Je sais pas passé loin. On a vu hein, que l'animation où en fait Spyro se met, on a passé l'animation de flop, donc il se met en fait un petit peu comme s'il tombait, mais sauf qu'il a pris un gain de hauteur. Et le but, voilà, c'est de choper toute la hauteur nécessaire. Allez petit rat. Dayo, vas-y. Ah, dommage. Allez, Rémi. Là, l'animation a trollé un peu. C'est Rémi qui s'appelle le rat dans le film. Je ne sais plus. Je sais plus. Mince, ça se trouve, je l'appelle Rémi, c'est même pas Rémi. Bref. D'ailleurs, je pense qu'il a augmenté un petit peu son estimate, parce que c'était 43 minutes son estimate, du coup, ça lui laisse un peu de temps. Mais on va voir. Encore quelques attempts. Allez. Ah, dommage. Ah, j'ai toujours eu 45 minutes, mais peut-être que... Ah, ouh, alors c'est moi. C'était bien Rémi, ça va, je connais mes classiques. Bon, allez, s'il te plaît. Allez, on y croit. La dernière, c'est la dernière vie avant le game over. C'est maintenant. Ah là là, mais c'est pas vrai, ce rat. Il troll, c'est pas possible. Et je peux vous dire que vous êtes en train de faire une run de GDQ et en plus vous essayez de faire un trick complètement, enfin d'un niveau de difficulté complètement débile. Donc voilà, faut pas trembler. Et, je pense que là, il va être son dernier try, je pense. Ouais. Allez, allez Dayo, tu peux le faire, on y croit. Ah, dommage. Bon bah du coup, il s'est retrouvé, je pense que... Au vu de sa réponse, je pense qu'il disait, qu'il allait pas rentrer dans le niveau. Bon, bah malheureusement, c'est loupé, c'est dommage, mais c'est pas grave, parce qu'on va quand même pouvoir nous montrer des choses très intéressantes sur ces niveaux ici. Donc on entre dans North Cove du coup. Ici, on va voir, premier, voilà, un proxy, encore un autre avec cet ennemi juste ici, qui est un petit peu plus simple à faire. Oui, alors là, il est tombé, c'est normal, c'est parce qu'il s'est pris une sorte de mur invisible, en fait, ça arrive quand t'arrives à cet endroit-là. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir valider, il faut finir dans le petit returning home que vous avez vu. Hein. Si vous quittez le level comme il a fait jusqu'à présent en appuyant sur start, ça ne compte pas, en fait, ça n'est pas comptabilisé comme fin de niveau, et donc du coup, la prochaine tête ne s'ouvre pas. Donc voilà, en plus, toute la complexité de ce truc, alors qu'il sait où faire un petit kiff, il a ouvert un dragon. Non, c'est normal, il est obligé d'ouvrir le dragon pour débloquer le niveau. Il faut ouvrir le
il faut libérer le dragon et faire le premier niveau pour passer au niveau suivant. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que d'habitude, on le fait machinalement. Donc, c'est vrai que je vais pas... Là, on va voir voilà, Twilight Harbor, qui est un niveau très difficile. Un niveau qu'ils ont honteusement censuré dans le remaster, puisque au lieu d'avoir des vraies oui. armes à feu, les ennemis ont des sortes de pistolets de paintball. Voilà. Bah, en fait, non. Alors, moi, j'ai une autre explication. Ce n'est pas de la censure, c'est juste un hommage à Splatoon. Parce que, comme le jeu, les gens, ils ont aimé Splatoon, donc ils ont dit, bah, pourquoi pas, nos ennemis dans Spyro, quand on va faire le remaster, on va leur mettre des bombes de peinture. C'est tout. Il n'y a pas d'autres explications. Et là, il a tenté une technique donc, qui a été découverte, pareil, par tous les gens qui font la catégorie Vortex, et où il aurait abusé de la supercharge pour faire le tour par la gauche, avec un enchaînement de plateformes vraiment très très serrées. Du coup, ça n'est pas passé non plus, malheureusement. Du coup, il va faire la fin de niveau normalement. D'ailleurs, quand même, c'est assez drôle parce que c'est quand même un jeu, on l'expliquait, que c'est un jeu quand même pour tout public, c'est un jeu pour enfants, si je veux mettre vraiment des grosses guillemets, et qu'on a quand même des ennemis qui ont des grosses mitraillettes qui te tirent dessus avec des armes. Tout va bien hein, à ce niveau-là. Ah, c'était 1998, c'était une autre époque. C'est voilà, vrai. Il n'y a pas les mêmes mentalités. Et donc, c'est parti pour la confrontation finale avec Nasty New York. Enfin, pas tout à fait, parce que pour l'instant, vous voyez, il nous taunte là avec ça de très haut. Et donc, du coup, il y a des voleurs qui ont des clés. Donc, on en ouvre une. Il y a le deuxième, mais pas le temps de niaiser. On prend la deuxième. Et là, c'est parti pour un combat épique. Le combat dantesque. Voilà, de ce Nasty New York. On n'a pas expliqué pourquoi il est là, pourquoi il est si vénère. C'est parce qu'en fait, dans le monde du dragon, les dragons l'ont taunte Nasty New York en disant qu'il était pas beau, qu'il puait, etc. Et donc Nasty New York, en représailles, il a dit ok, vous le prenez comme ça, je vais tous vous transformer en dragon de cristal, vous allez moins faire les malins. Il restait qu'un seul dragon, c'était Spyro parce que c'était le plus jeune. Et donc voilà. Il était trop petit, voilà. Et donc voilà, on a cette confrontation finale, il a même pas le temps d'aller sur sa plateforme. Ça, bah, on arrive à aller plus vite que lui. Et d'ailleurs, c'est très important dans le speedrun puisque ça permet d'accélérer son mouvement. C'est-à-dire qu'il vous attend un petit peu en fait si vous traînez un peu la patte. Par contre, si vous traînez trop la patte, il se barre au niveau du moment où il arrive sur la plateforme. Et, faire le time. Et le time arrive une fois qu'on est 3 secondes d'overestimate. Voilà. Terrible. Mais bon, en même temps, il a voulu essayer de vous montrer un jeu qui était extrêmement dur, limite du frame perfect, enfin du pixel perfect. Encore une fois, c'est le seul être humain capable d'avoir réussi à caler ce trick dans une run qui a fait un PB avec. Donc c'est pour vous dire le niveau et également bah voilà, c'est le world record sur le 120%, qui est une catégorie avec un peu moins de skip mais 100% basé sur de l'optimisation de récolte de gemmes, de mouvements, etc. Avec un très très haut niveau, il y a une grosse communauté sur Spyro 1 et même sur tous les autres Spyro en général. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur le Discord et sur la page speedrun.com de Spyro 1 si vous voulez plus d'informations.